situation exceptionnelle, concert exceptionnel. Juste une soirée et trois orchestres pour conjurer le sort subi par l'annulation du festival Welcome in Tsigany en avril dernier. Par là même, remonter le moral des troupes et des finances. Nous, on découvre la compagnie Mohun et la lumineuse Nouria Rovir-Salat. Ce que j'aime dans cette musique, c'est que c'est très festif. C'est de la musique qui vient de l'âme, vraiment, qui fait ressortir ce que nous avons de plus profond. Et c'est une musique, même si nous pensons que c'est une musique traditionnelle qui nous est étrangère, moi je trouve qu'elle est très universelle. Une plongée en territoire balkanique, rendue possible uniquement dans le respect des consignes imposées en situation de Covid. Toutes les règles sanitaires, du coup, ont été mises en place pour pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Donc effectivement, il y aura du gel hydroalcoolique à disposition du public sur tout le site. On va faire respecter du coup la distanciation entre les gens sur les gradins et dans le parterre de chaises dans l'arène. Et le port du masque est recommandé sur tous les déplacements dans le site. Et oui, place assise obligatoire, une contrainte subie par le public et les musiciens. Ça réagit pas comme d'habitude. On a fait 5-6 dates cet été où les gens étaient forcés d'être assis, de normalement pas danser. Bon, en fin de concert, ça se lâche un petit peu malgré tout, mais ça essaie de respecter les consignes en fait. Un programme composé d'artistes fidèles au festival. Invité prestigieux de Yanis Constant, Siciliane Cartel, l'emblématique guitariste Stokelo Rosenberg. Et pour terminer, le brass band tout en cuivre et percussion, Aïdouti Orchestra.